Hey, salut tout le monde, c'est Tata. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui c'est... Comment dire, enfin bref, j'ai décidé de tourner des vidéos. Pourquoi, je sais pas. Donc alors je tourne à la suite du Valentine qui est là-bas. Et le Valentine dont... Et le tutoriel dont j'ai tourné hier, celui-là, le top 2, que j'ai donc republié aujourd'hui. Enfin je vous ai expliqué pourquoi dans le Valentine. Bref, passons au tutoriel. Alors il vous faut, comme d'habitude, il manque toujours des blocs de pierre taillée et des escaliers en pierre taillée avec du grès poli, des escaliers en grès, des dalles en grès, comme de par hasard il me remanque les murets, de l'argile durcie rouge et du quartz, enfin des blocs de quartz avec des murets. Donc alors vous avez posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de pierre taillée. Vous allez espacer de 3 et vous allez refaire la même chose. Ensuite, de chaque côté, vous allez mettre 2 escaliers. Enfin, à l'avant comme à l'arrière. Et vous allez reboucher du premier bloc qu'on a posé tout à l'heure au 9e. Enfin, vous allez tout reboucher de dalle. Enfin, tout ce qu'il y a dans cette zone, vous allez le reboucher de dalle. Ensuite, 3 blocs. On pose les escaliers à l'avant, une dalle au milieu. Ouais, non, ça je vais pas faire tout de suite. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, vous allez replacer 3 blocs, encore une dalle au milieu, 2 escaliers sur les côtés. Ouais, si en fait on va le faire. 2 blocs de quartz, enfin un bloc de quartz juste ici, un bloc d'argile durcie rouge ici et un autre bloc de quartz juste à côté. Alors je répète l'opération, non, voilà. Donc alors ici vous allez y placer 2 dalles, vous allez y replacer enfin des escaliers juste là, un escalier, on en remet un au-dessus, un bloc, on remet un escalier au-dessus, un escalier, un bloc, un escalier et un bloc. Alors je fais pareil de l'autre côté, un bloc, un escalier, un bloc, un escalier, un bloc, un escalier, et on remet des escaliers au-dessus. Ensuite, ici on met 2 blocs. On continue avec encore 2 escaliers. 3. Et ici on en remet 2. Et ensuite on met ici 3 blocs. Et au-dessus 3 dalles. Ensuite, ici, on vient à reboucher. Même ici. Alors. Ensuite, on continue avec 3 blocs ainsi. Ici, vous formez un U. Voilà, c'est plus simple à expliquer. Et ici, vous remettez un bloc. Et pour finir, 2 blocs juste au-dessus. Ensuite, vous mettez 2 dalles en diagonale de ces 2 blocs. Ouais, c'est tout. Non, et les murets. 1, 2, 3 et 4. Donc alors, là, oui, c'est tout. Ensuite, il vous faut
des coffres, un portillon, des trappes, des boutons, des échelles, enfin des boutons en pierre et des boutons en bois. C'est une chose que je viens de remarquer, c'est qu'en fait ils ont retiré le en pierre et le en bois. Donc alors du coup si je dis des boutons, c'est pas précis. Donc alors vous mettez les deux boutons sur le premier bloc à l'avant. Vous mettez des trappes sur les escaliers. Ici aussi. Deux trappes ici. Deux autres là. J'oublie toujours la moitié des blocs, c'est pas possible. Trois plaque de pression sur les deux blocs, enfin pas cela, mais je veux dire, vous prenez le milieu de la tourelle, vous en placez deux et deux de chaque côté. Ensuite vous remettez deux boutons en pierre cette fois sur la tourelle. Donc ça j'en ai plus besoin. Ensuite, ici, vous mettez la trappe dans ce sens. Une, deux, trois échelles. Deux coffres de chaque côté. Une petite torche. Et que l'espace réduit vachement dans ces chars. Bref, en même temps, le Valentine et le Matilda Mark II ne sont pas des très très gros chars. Enfin, c'est juste des chars d'infanterie. Du coup, oui, j'en ai fini. Je crois que j'ai fini le tuto. Bref, j'ai fini le tutoriel, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et tout le blabla, enfin je vais pas me répéter. Donc alors moi je vous dis à plus et à la prochaine. Bye.